Christo me zire kake me so kava le pe be donan me vana ou la fisi api kele le kapousia me le pom le de la Yesu Christo pe nou kom. Bien-aimé en Jésus Christ, encore une fois nous apportons les salutations de notre Seigneur Jésus Christ partout vous êtes là mais en train de nous suivre. Et mi dar bena Jehova ma ou le mon popo e venye ka tonu sen mia neyon pe hosse. Et nous remercions l'Éternel Dieu pour tout puissant qui nous a donné cette grâce pour pouvoir nous vivifier une fois. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus-Christ, I invite you once again. Une fois encore, je t'invite, mes pères, speak to us. À ce que tu viennes nous parler, pas pour mon ami. In Jesus' name. Mais yes, ben comme. Amen. Amen. Beloved, bien-aimé. Thank God for this opportunity. Nous remercions Dieu pour cette opportunité. Like we have shared. Last week. Abi alemi mel emi chova et comme nous l'avions passé tagé la fois dernière. About coming to the throne of grace. Concernant le fait d'approcher le trône de grâce, bena alemi teva mel nous devons assister à Bordeaux. In the book of Hebrews chapter 4 verse number 16. Dans Hébreux chapitre 4 verset 16, il nous tombe dans les termes des groupes d'amour dernier. The Bible says, "Let us come boldly to the throne of grace." La Bible nous demande à approcher le trône de grâce avec assurance. That we may obtain mercy. Afin que nous puissions recevoir la miséricorde. That we may obtain grace. Afin que nous ayons la grâce. And that we may have or obtain help. Afin que nous puissions avoir de l'aide. And I spoke last week on boldness. Et la fois dernière, j'avais parlé concernant l'assurance, mais prononçons pour le caca d'idée pour un chien. Coming to the throne of grace, you need that boldness. Venir devant le trône de grâce, vous avez besoin d'une assurance. Avant même de faire un coup, mais là, rien d'idée pour. It's like somebody coming before a king or coming before a president to make a demand. C'est comme celui-là qui est venu devant un président ou un roi pour pouvoir demander quelque chose. Et là-bas, mais il n'était pas du problème. Alors, si il y a si on avait. And this person knows he has offended that king, and the king is aware. Et la personne, il sait qu'il a offensé le roi, et le roi est au courant. À même à la nuit, maintenant, il est accordé à Megadita, et à Megadita, ni à maintenant, il est accordé. He will be afraid. Le temps va bien pour voir, mais il sera craintif pour voir la même. To come to the throne. Afin de pouvoir approcher le roi, maintenant, il te va tirer à bord. That is what is happening to Christians. C'est ce qui arrive aux chrétiens de nos jours et à l'étoile de Christ aujourd'hui. Ben. Our sin. Ni appelons nos péchés. Make us to be afraid of coming to the throne of grace in prayer. Faut que nous avons peur le fait d'approcher le trône de grâce. Nous on avait volé nous mis même tel et gogo à même nous faire si bien bon. But the Bible says the righteous are bold like a lion. Oh, la Bible nous dit que le juste est courageux comme un lion. Et bien maintenant Dieu là dit de pour le si à bien à chatter même. Because there is no condemnation. Parce qu'il n'y a pas de condamnation en lui. Et là ben faut pouvoir être comme les mêmes. No guilt. Il n'y a pas de condamnation, pas d'accusation. So he can come to the throne, he can come to the president, he can come to the king, he can come to the father and request something without fear. Alors il peut approcher le roi, il peut approcher le père, il peut approcher le président sans peur parce qu'il n'a rien de condamnation à lui. Là, il faut que le monde boire comme le monde. Attends, il est fier à bord, du coup, là, il est fou à bord et il est fou à bord. I will continue with that teaching today, but too. Et aujourd'hui, je vais aller dans la deuxième partie. Et bien là, ma émotion ne va pas faire rien dit. And join me in Zechariah chapter 3, verse number 1. Allez, suivez-moi, nous allons entrer dans le livre de Zacharie, chapitre 3, premier verset. Zacharie va dans l'état avec ton coup. Il dit, and show me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. To resist him. Zacharie chapitre 3, partie du premier verset. Yes. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Thank you. Merci. Après. Joshua
Jésus et Yeshua, the high priest, et que nous avons la grande, le sacrificateur, the big pastor, et le pasteur principal, the bishop, et le bishop, l'évêque, the apostle, l'apôtre, nous avons la grande. He came to the throne of grace. Il était devant le trône de grâce. Et pas même ça, c'est pas le coup même. To intercede and to supplicate on behalf of the people. Afin de pouvoir intercéder en faveur de son peuple. Mais là, il y a qu'on a pas du quoi. Like Hebrews chapter 4 verses told us. Abé allez, Hebrews 4 dans les termes néa, humble, nami, comme Hebrews chapitre 4 nous l'avait dit. That we should come boldly to the throne of grace. Verset 16 qui nous dit, approchez le trône de grâce avec assurance. Même il y a pas même veut dire pas près qu'à cadre dit de vous. Joshua the high priest came to the throne of grace. Joshua il est venu nous dans la gang, un femme le veut dire bien bon, Joshua qui était le grand sacrificateur était devant le trône de grâce. And unfortunately, mais malheureusement the Bible says, Satan stand at his right hand to resist him. Satan, qui était l'accusateur, était devant lui pour résister, pour lui résister. Mais Satan a failli au titre de Mouchi. Why should Satan resist the high priest's prayer? Nous caillons jobena Satana. Attends un petit peu, nous n'avons la grande de te dire. Qu'est-ce qui peut provoquer Satan pour pouvoir se dresser contre la prière du grand sacrificateur? Because parce que Satan found an occasion, a means of accusing him. Parce que le diable a trouvé une occasion en lui pour pouvoir l'accuser. Là, maintenant Satan a pas mon popone, maintenant Wadima a bouffé. That is why Satan came to accuse him. C'est pourquoi le diable s'est levé pour l'accuser. Il voulait Satan a dit de bouffé. And in verse 3 of this Zechariah chapter 3. Et le Zechariah avait mal étendu beaucoup étendu avec ça. Zechariah chapitre 4 verset 3. He said. Il nous dit, écoute, Joshua was clothed with a filthy garment. Que Josué était habillé en tenue sale, avec une bouffoule d'yamen. Joshua was dressed with a filthy garment. Que Josué était en habit sale, avec Joshua une bouffoule d'yamen. The filthy garment the Bible talks about here is not this physical garment, clothes we are wearing. Alors ce que nous voyons aussi que Jésus est habillé en habit sale, c'est pas un habit physique que nous pouvons voir, mais c'est plutôt un habit spirituel. The spiritual clothes of the high priest Joshua. Bob, nous dans la gamme écoutez Joshua avec Bob, mais pas où la vie spirituelle du sacrificateur Josué. His spiritual life. Sa vie spirituelle, il y a pas Bob, mais pas Béa. Had been polluted. A été pollué, a été souillé. Our garment of salvation is a white garment that God gave every Christian. Alors à chaque chrétien, Dieu lui donne un habit de salut qui est un habit blanc. Puis surtout le Seigneur m'a dit on a oublié qu'il y ait des papas malhonnêtes. And when a Christian fell into sin, et quand le chrétien entre dans le péché, ne constate-t-on que des bouffons mères? That his white garment he received at the point of salvation has been stained with blood, with red, or with a black charcoal. Son habit blanc qu'il avait reçu lors de sa repentance sera taché par un objet rouge, par un charbon ou par le péché qui est noir. A vous dire que vous retournez peut-être de papa dit mais trop mais à malabodi tout de siabo il colla tana ou manche. And so wait. Our garment has been stained with sin. Et lorsque nos habits sont souillés par le sang, n'avez pas produit, n'avez pas ouvert vos nerfs. Lying, adultère, immorality, matre la fornication, stealing, le vol, fifi, prayerlessness, benin mato la semence à la prière, envy, l'envie mouvement, not coming to church, seulement ma part le fait de refuser à venir, or coming late to the service, ou venir en retard au service, a dit mes papa tonti, not paying tithes, ou lia mato refus de payer sa dîme, all these little sins, tous ces petits péchés, nous vont mourir, awa. Affect our white garment. Oh, blena nous le n'avons pas oublié dit tache nos habits blancs. So your garment, the a child of God garment
on you has been polluted. Alors l'habit blanc d'un enfant de Dieu qui est sur vous sera taché, brouillé. Que ma viva ouri que le bianchia elle a foudi. And when that garment has been polluted, you cannot come to the throne of grace with boldness, with assurance, to pray with all confidence. Et lorsque cet habit est souillé, vous ne pouvez plus avoir l'assurance, la ferme conviction de pouvoir approcher le trône de grâce. Elle a bien auma un fodita tesi pour galo le tita. Kaka le tima gaté momia, mais bien il a été beaucoup amené pour ça c'était. Before I come back to this story of the high priest Joshua. Avant de revenir sur l'histoire du sacrificateur Josué, quand il m'a trouvé Joshua ben tina ya boa. Let's go to Matthew chapter 22. Permettez à ce que nous nous retrouvons encore une fois dans Matthieu chapitre 22. Matthieu va parler comme l'avait fait bien il aime. In verse number 12. Les coups oui amoui vient dans le verset 12. Our Lord Jesus Christ gave a parable. Notre Seigneur Jésus-Christ avait donné une parabole. D'abord, Jésus-Christ soit un doulouade. About a king that wants to celebrate or organize a marriage for his son. Concernant ce roi qui veut célébrer le mariage de son fils, and he invites people, different kind of people. Et il va inviter bon nombre de personnes. And in verse number 12, et dans le verset 12, the Bible says the king saw one of the guests and he has no marriage clothes, marriage garment. La Bible nous dit que le roi avait vu un invité qui n'était pas habillé d'une façon d'un invité à un mariage. Il avait un port à la main, à homme, à mener comme deux sur des devants à vous. And the king asked him, friend. Et le roi lui avait demandé, à mon ami, Biabena, oh, colonien. Why do you come here without the garment of the wedding? Pourquoi toi tu n'es pas venu dans un habit de mariage? Nous quand t'avais mes deux fronts, n'est pas ouvert. And the Bible said he was speechless. Et la Bible avait na. He couldn't speak. Okay. Speak. Lui il n'a pas pu parler. Il avait été fou. He was silent. Il était silencieux. Just because he was not with the garment. Juste parce qu'il n'était pas habillé, habit propre. To approach the throne of grace, we need the garment of righteousness. Pour approcher le trône de grâce, nous avons besoin de l'habit de justice. If you read Psalm 51 very well. Quand vous lisez Psaume 51 bien, you will understand. Vous allez comprendre la seconde. The repentant prayer of King David. Vous allez comprendre la prière de repentance du roi David. David recognized that his garment of righteousness has been stained. David avait reconnu que son habit de justice a été pollué, sali. David recognized he had lost the joy of salvation. David avait reconnu qu'il avait perdu la joie du salut pour de ne pas compétition. He recognized he had lost the Holy Spirit. Et tout ce qu'il avait pour qu'il a perdu le Seigneur. And so he began to pray and said, God. Alors il avait commencé par prier et dit Seigneur, restore unto me the joy of salvation. Et ben Yahweh a donné dit de ne pas compétition que le meilleur pour restaure à moi la joie de mon salut. He prayed and said, God, take me. Your Holy Spirit away from me. Il avait prié dire aussi Seigneur ne me retire pas ton Saint-Esprit mais Yahweh m'a gardé au bas pour David recognized his prayer is no more having breakthrough. David avait reconnu que ses prières n'ont plus ce pouvoir de percer. He could not approach the throne of grace. Et il avait n'a pas pu approcher le trône de grâce. Let's come back to high priest Joshua the high priest. Revenons vers le sacrificateur Jésus. Joshua. Joshua lost something. Joshua avait perdu quelque chose. Joshua punaque. Joshua lost authority, the apostolic authority. Joshua avait perdu son autorité apostolique. Pour l'apostolo bâti papa. Because of sin. De nouveau à cause du péché. Because he has backslidden. Parce qu'il a été dit. And so Satan was by his side to resist him. Et Satan était à son côté pour pouvoir l'appuyer. Satan avait motivé par attirer un article. And then the Bible says. Et la Bible nous dit, Bible blabla. God intervened. Yahweh m'a ouvert les yeux et intervenu. God intervened. Dieu avait intervenu. And God delivered him. Et Dieu l'avait délivré m'a ouvert. And God gave the instruction. Et Dieu lui avait donné une instruction. Remove that garment. Et Dieu lui avait dit, débarrasse-toi de cet habit, mais t'as ouvert la yamada.
and give him another garment. Et il met ça à Obu Bune qu'on lui donne un nouveau habit. And remove that tie on the head and replace it. Et on lui avait dit qu'on enlève ces choses qu'il avait sur la tête, qu'on remplace les choses, qu'on donne de l'huile, qu'on les tarane. Physiquement, Joshua was well dressed. Physiquement, Joshua était bien habillé, le côté là où pas où on est. But in the spiritual realm. Mais dans le règne spirituel, he was polluted. Il a été pollué. He was dirty. Et il était sale. He need to be washed. Et il a besoin d'être lavé. Il a besoin d'être l'étiré. He need to be cleansed. Et il a besoin pour le mieux. Il a besoin d'être lavé. He need to be purged. Et il a besoin d'être purifié. Il a besoin de corrigé. Love. Bien aimé. What am I saying? That's what you're going to do. Come on. By the time you are listening to this message, we have entered a new year already. Peut-être vous nous suivez maintenant, vous retrouvez dans la nouvelle année déjà. How are you entering a year? Comment vous entrez dans la nouvelle année? Quel est l'état de pays avec vous? With the old garments. Avec l'ancien habit. With the old garments. Avec l'ancien ami. On the 31st of December. Le 31 décembre, vous avez nous manqué quelque part. All over the world. Le qui est pas dans le monde entier. Every human being. Toute personnalité. Want to come and end the year in the house of God. Va vouloir venir ou veut venir dans la maison de Dieu pour finir l'année après. Some of them will come with cigarettes. Autre mais vous avez pas fait cigare. Il y en a qui viennent avec des cigarettes. Some of them will come from drinking beer. Il y en a qui sortiront des bars de bière et entrent dans la maison de Dieu. After the prayer, they go back. Et après la prière, ils vont retourner encore dans les bars. Such people need to understand. Ces gens doivent comprendre. Moment où là, c'est comme they approach the throne of God. Que pour approcher le trône de Dieu, mais avant, on veut faire zipper avec moi. Your spiritual garment is important. Elle peut bénir votre habit spirituel est important. If you are dirty in the spiritual realm, si vous êtes sale dans le règne spirituel. With sin, pleine-vous avec le péché, your prayer will not be answered. Alors votre prière n'aura pas de réponse. But if you are okay, mais si vous êtes en forme, les lumières. If you are purged in the blood of Jesus, si vous êtes lavé à travers le sang de Jésus, nous l'auto-Jésus me voit. If you are righteous by His mercy and grace, et si par la grâce de Dieu vous êtes injustifié, nous continuons tout mort par mes bœufs. Your prayer will be answered. Alors vos prières trouveront réponse. Vous ne devrez pas l'ôter. That is why. Et y a eu vers cette fosse là. Joshua, the high priest, que Josué, le sacrificateur, the old garment was removed. L'ancien habit a été enlevé dans vos voiles. I want to encourage you this new year. Je veux encore vous encourager dans cette nouvelle année. Your old life, que la vie ancienne, your old garment, l'habit ancien, your old lifestyle, votre vie ancienne, you can make a decision. Vous pouvez faire une décision. La thème you can make a decision. Vous pouvez faire une décision. To leave those old life. And abandonner ses anciennes vies. And enter a new life. Et entrer dans une nouvelle phase de vie. Your life and your character. Votre vie et votre caractère à Dieu. They are the garment, spiritual garments you are putting on. Ce sont là les spirituel que vous portez. Work on them. Repent and remove those old garments. Alors repentez et débarrassez-vous de ces habits anciens. Before you enter the new year. Avant d'entrer dans la nouvelle année, quand vous allez payer. God will help you. Le Seigneur vous aidera. And it is not late. Et c'est pas encore tard, mais avec quoi il va t'apprendre. It can happen now. Ça peut arriver maintenant. Let us pray. Prions. Wherever you are. Partout où vous pouvez. I want you to say this. Je voudrais que vous disiez ceci. Lord Jesus. Dites Seigneur Jésus. Lord Jesus. Après toi, Jésus. I come before you. Je viens vers toi, mais va quoi? Repeat after me. Repeat after me. On va dans la vie qu'elle est le premier. Répétez après moi. I come before you. Je viens vers toi. All my bad life. Alors toute ancienne vie mauvaise, à beaucoup parler. She's the bad garment. Qui est l'habit ancien mauvais qui n'y a beaucoup. Before. That is hindering me from coming to your presence. Qui m'empêche de pouvoir approcher ta présence, de pouvoir être dans ta présence. I ask the blood. Mais viens, Jésus, je demande le sang de Jésus. To cleanse me. Que le sang me lave, pour ne continuer. Purify me. Que le sang me purifie, pour ne continuer. In Jesus' name. Au nom de Jésus, le Jésus, comme. Amen. Amen. And amen. Et amen. Let's pray. Prions. Father. Père, I have given your word to your people. J'ai délivré ta parole à ton peuple. Back it up.
Soutiens ta parole. With miracle. Avec des signes, des miracles. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Beloved. Bien-aimé, l'honneur. Thank you for watching and thank you for listening. Merci d'avoir suivi encore ce message. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And I will encourage you. Et je vais encore vous encourager. Invite you. Je vous invite. Let's end the year in the presence of God. Finissons l'année en présence de l'Éternel. God will bless you. Le Seigneur vous bénira. And in the January. Et dans le mois de janvier. The third. Le trois. We are starting 1 month prayer and fasting. Nous allons démarrer un mois de jeûne et prière. Bien que nous t'étions le God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Peace unto you. La paix je vous demande, in Jesus' name. Le Christ souriez sous le corps. Amen.